word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. But we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.
Dépend de la connaissance que vous avez de vos propres pouvoirs. Votre bonheur dépend de l'amour que vous donnez et recevez. Comme toutes les races conscientes à votre stade de progrès, vous pouvez avoir le sentiment d'être isolé sur votre planète. Vous êtes à la veille de grands changements que seule une minorité connaît. Il ne nous appartient pas de modifier votre avenir sans que vous ne l'ayez vous-même choisi. Considérez ce message comme un référendum à l'échelle mondiale et votre réponse comme un bulletin de vote. Vos scientifiques et vos représentants religieux ne vous disent rien à propos des observations inexpliquées que l'humanité a faites depuis des milliers d'années dans vos cieux. Pour connaître la vérité, il faut la regarder en face, sans le filtre de ses croyances, aussi respectables soient-elles. Un nombre grandissant de vos chercheurs anonymes explore des voies nouvelles de connaissances et s'approche de très près de la réalité. Votre civilisation est aujourd'hui plongée dans un océan d'informations dont une infime partie, la moins dérangeante, est généralement diffusée. Ce qui, dans votre histoire, vous semble ridicule ou improbable, est souvent devenu réalisable, puis réalisé, en particulier depuis les 50 dernières années. Dites-vous, terriens, que l'avenir sera plus surprenant encore. Vous découvrirez le pire comme le meilleur. Comme des milliards d'autres dans cette galaxie, nous sommes des créatures conscientes que certains nomment extraterrestres, même si la réalité est bien plus subtile. À certains stades d'évolution, les humanités du cosmos découvrent de nouvelles formes de science au-delà de la maîtrise apparente de la matière.